Bienvenue à Emson Palace. Un cadre féerique, des appartements et studios au standing qui n'attendent que vous. Une piscine à votre disposition pour vos détentes. Wi-Fi illimité. Emson Palace est situé en plein cœur de la ville de Douala, au quartier Denver, avant la chefferie. Contactez-nous via WhatsApp au +124 04 76 15 92. +237 676 61 32 61. Faites-y un tour et vous y reviendrez par satisfaction. Bienvenue dans l'aventure Sugar Daddy. Cette série vous est offerte en exclusivité mondiale gratuitement. Et tout ce que nous attendons de vous, c'est de la partager au maximum autour de vous. Parce que vous-même, vous savez, plus nombreux, on est plus fort. La série Sugar Daddy est diffusée tous les mercredis, vendredis et samedis à 19h. Signé. Pour moi, ça roule. D'accord, laissez-moi vous aider à regagner votre table, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça. Traitez-moi de poltron tant que vous y êtes. Allez-y, ne vous gênez pas. Désolé, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Mais vous l'avez pensé. Je ne suis pas sous. Je vais aller toute seule jusqu'à ma table, vous allez voir. D'accord, madame. Je suis à votre disposition si vous avez besoin de quoi que ce soit. Ne vous inquiétez pas, je n'y manquerai pas. Je pense que j'ai un peu forcé sur la bouteille. J'ai fait genre tout va bien, mais la serveuse elle a bien vu que j'étais bourrée. Tu me ramènes s'il te plaît. Chérie, je ne me sens pas très bien, s'il te plaît. Regarde comment tu es torchée. Tu me fais honte. C'est un endroit très sélect ici. Tu vois comment tout le monde nous regarde? Et alors, qu'est-ce que ça peut bien me faire? Je ne suis pas avec eux. C'est tout ça le problème. Et alors... Oui, c'est vrai. J'ai un peu trop bu, mais ça arrive à tout le monde, non? À tout le monde de faire quoi? De lâcher prise, de se détendre. Je ne suis pas coincée comme tous ces merdes qui nous regardent. Assez!
tu me gâches ma réputation. Tu... Réputation, mon cul, ouais. C'est toi qui m'as fait mélanger le champagne et le vin rouge, je te rappelle. Tu me ramènes ou je rentre en taxi? Bon, ok. J'ai compris. Je me casse. La prochaine fois, demande une nana qui ne va pas te gâcher ta réputation. Qu'est-ce qu'il y a? Lâche-moi! Écoute-moi très bien. Tu ne peux pas partir comme ça. J'ai réservé une chambre dans un 5 étoiles pour toute la nuit. On va y aller. Et on va passer du bon temps ensemble. Est-ce clair? Ouais, c'est ça. Maintenant, tu me menaces. Il ne manquait plus que ça. D'accord. Excuse-moi. Mais sois un peu raisonnable. Ouais, c'est ça. Si tu restes, tu auras un gros bonus. Lâche-moi. Et maintenant, tu me laisses partir parce que sinon, je vais faire un scandale. Je vous dépose. Ça va? Tu m'as flambé mon costume. Tenez. Ça va? Merci. Et désolé pour votre costume. Bon, c'est pas grave. Je peux vous ramener chez vous. J'espère que vous êtes sérieux.
Vous n'avez pas de mauvaises intentions dans la tête, hein? Vous venez de me dégueuler dessus. Pourquoi autant de prudence? Je connais bien les hommes. Tous des prédateurs et des pervers narcissiques. Si c'est faux, prouvez-moi le contraire. Allez, on y va. Vous vivez où? Venez. C'est très simple. On a donc un A, S qui égale à 5 mètres carrés, B qui égale à 6 mètres. En P, on a 4 plus 2 racines carrées de 2 qui égale à 6,82 mètres. Oui, c'est ça. Je suis d'accord. Tu es sérieux là? Tu dormais déjà avant même qu'on entame cet exercice? Où est-ce que tu as vu que je dormais? Je méditais. Ça m'a permis d'aiguiser ma capacité d'attention. Quoi? Vous ne comprenez rien. Faut avoir un grand niveau spirituel pour accorder une pause à son esprit. Bon. Je me casse. Moi aussi, je vais rentrer. Il se fait tard. Il est 2h du mat. Mais on n'a pas fini les exercices. Ben, tu vas continuer ça moi aussi. Je n'arrive plus à suivre. Je suis épuisée. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne te plains jamais, toi. Vous êtes toujours comme ça à chaque fois qu'il faut étudier. Je fais aussi ça pour vous. Je ne suis pas une étudiante à la traîne. Oui, c'est ça. Moque-toi de nous. Ivre, tu n'as aucune idée de ce que tu fais. Je ne veux pas que tu te réveilles avec des remords. Tu devrais essayer de dormir. D'où sors-tu à cette heure-ci? Désolée maman, je n'ai pas vu le temps passer. J'ai essayé de te joindre depuis 19h. Ton téléphone ne passait pas. Pourquoi? Je n'avais plus de batterie, il s'est éteint. Et tu ne pouvais pas le recharger là où tu étais? J'étudiais avec des amis dans une salle de classe où il n'y avait pas de prise. Tu m'as inquiétée, tu sais. Il ne fallait pas t'inquiéter, maman. Mais j'ai compris. La prochaine fois, je ferai l'effort de te prévenir. Toutes mes excuses, maman. Allez, va te coucher maintenant. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, ma chérie. Où est-ce qu'elle était? Avec des camarades en train d'étudier. Enfin, c'est ce qu'elle m'a dit. Pourquoi ces doutes? Je pense que tu devrais lui faire plus confiance. J'ai été jeune fille comme elle avant d'être maman. La nuit... Le dehors n'est pas aussi tendre comme on le pense. Je suis d'accord avec toi. Et je pense qu'elle en est bien consciente. Allez, viens, on va se coucher.
Kiki, Kiki, réveille-toi. Non mais, tu es qui toi? Qu'est-ce que tu fous dans mon lit? Comment tu es entré? Tu ne te souviens de rien? Le restaurant, le vomi et la nuit? Ne me dis pas que tu n'as pas ressenti cette alchimie entre nous. En tout cas, moi, j'ai pris mon pied comme un malade. Et ce truc que tu fais avec ta langue, ouh, c'est magique. Allez, c'est bon maintenant. Casse-toi. Tire-toi d'ici. Ne me dis pas que tu as couché avec lui. Allez, dépêche. Allez, va-t'en. Casse-toi. Oh, doucement, doucement. Allez, vas-y. C'est comme ça que tu me remercies, toi. Oh, te remercier que tu as fait quoi? Allez. Allez, dépêche-toi. Doucement, il n'y a pas le feu. Attends. Tu as oublié la galère dans laquelle tu m'as foutu dans la nuit. J'arrive pas à croire que tu me traites de cette façon. C'est à cause de ta copine que tu me traites comme ça, hein? Tu as honte, c'est ça? Laisse ma copine en dehors de ça. Tu as abusé de moi. Faux. C'est toi qui as sauté sur moi. En vrai, homme, on ne cède pas à la tentation. On essaie plutôt de raisonner l'autre. Moi, ne pas céder. Il ne manquait plus que ça. Moi, si j'avais envie de toi, qu'est-ce que tu crois? C'est pour ça que je t'ai suivi. Donc, tu as abusé de moi. C'est pas tout à fait ça. Peu importe. J'ai déjà payé pour ta galère. Donc, la balle est au centre. Maintenant, casse-toi, s'il te plaît. Pas si vite. J'aimerais beaucoup te revoir. Oh, allez, tiens. C'est bon, maintenant, va-t'en. Ça va comme tu veux. J'ai très mal à la tête. Je ne me rappelle même plus de tout ce que j'ai fait hier soir. De toute évidence, tu as passé la nuit dans les bras d'un parfait inconnu. Ne recommence pas, s'il te plaît. Je sais que j'ai fait n'importe quoi. J'ai pas besoin que tu viennes me le rappeler. Mais je me fais du souci pour toi. Faut pas. Je gère. Tu ouvres, s'il te plaît. Je vais m'habiller. Salut. Kiki est là. C'était qui? Ah, c'est toi. On dirait que t'es pas contente de me voir. Tu nous présentes. Erna Bidias. Bidias. Erna. Enchantée. On peut se tutoyer. Tu es très belle. Merci. On me le dit très souvent. Toi, c'était pas mal. Wow. Pas mal. Là, je suis vexée. Désolée si j'étais offensée. Ah non, pas du tout. Je faisais juste une blague. Bon, je vais vous laisser, j'écoute en 30 minutes. Tu peux me passer ton numéro, s'il te plaît. C'est qui cette fille? Ma meilleure amie, il faut l'oublier.
Et si elle me plaît? Ce n'est pas une meuf pour toi. Je suis très sérieuse. Quoi? Je suis passé bien pour elle. Ouais. Ce n'est qu'une gamine, elle n'a que 17 ans. Tu ne la touches pas, est-ce que c'est clair? Wow, wow. Je vois que tu tiens vraiment à elle. Il n'y a rien à manger ici. Au fait, pourquoi tu es là? Je veux mon fric. J'ai besoin que tu me rendes ce que tu me dois. Laisse-moi encore un peu de temps, s'il te plaît. Tu te fous de moi? Tu as pris mes sous pour payer tes études et maintenant je dois courir derrière toi pour que tu me rembourses. C'est juste que j'ai quelques petites difficultés en ce moment. Écoute, tu as jusqu'à la fin de cette semaine pour me rembourser. Si d'ici là tu n'as pas payé ta dette, je te règle ton compte. Voilà. Tu me montres encore ton côté obscur. Tu t'emportes sur moi juste pour une histoire de sous. C'est très triste. Détends-toi. Faut pas avoir peur de moi. C'est juste que moi aussi je suis coincé. J'ai besoin de mon argent pour me sortir d'une situation. Tu veux pas qu'on aille manger un truc quelque part? J'ai faim. Non. Bonsoir, papa. Bonsoir, ma princesse. C'est ça ton dîner? Ouais, pourquoi? Ça me plaît. Bidia, ce n'est pas encore rentré? Mm-mm. Et ta tante? Elle est sortie environ une heure. Elle ne pouvait pas faire le dîner avant de sortir? Bah, c'est à elle qu'il faut demander. De toute façon, tu sais que c'est pas son truc. Mais ça va changer tout ça, hein? Bon, arrête de manger ça. Je vais me changer, je viens de faire un vrai repas. Ma musique. Tiens. Non merci, remets ma musique s'il te plaît. J'ai besoin de me changer un peu les idées. De quoi? Ou plutôt de qui? Attends, c'est Bidia ce que tu essaies de sortir de ta tête, n'est-ce pas? Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu es folle de penser à lui, oublie-le. Je le trouve beau, classe. Il a le mal en lui, comme on dit souvent. Erna, fais attention où tu mets les pieds. Hey, ça va, j'ai compris. Tu as des vues sur lui? Non, tu n'as rien compris. Ce n'est pas un bon gars. On est sortis ensemble, mais c'est fini depuis. Je le trouve sympa, moi. Et j'avoue qu'il me plaît bien. Jay, tu as déjà rêvé du prince charmant? Moi, je rêve du prince charmant, moi. Un peu comme dans les films, tu vois. Oui, mais sauf qu'ici au Cameroun, Dieu a oublié de créer les princes charmants. Waouh. Il t'a autant déçu? Ce n'est pas un mec pour toi, même si tu craques pour lui. Pourquoi? Parle, dis-moi tout. Il a quelqu'un dans sa vie, je ne suis pas son genre. Quoi? Bah, j'en sais trop rien. Il est plus vieux que toi et c'est un sacré coureur. Si ce n'est que ça, je peux le calmer. C'est lui, n'est-ce pas? Il dit qu'il est content de m'avoir rencontré. Fais attention, ce gars va te faire du mal, je le connais très bien. Je pense que je vais rentrer, il commence à se faire tard. Tu ne restes pas dormir? Non, j'ai quelque chose à faire avec ma maîtresse tout le matin. Allô?
Ok. Je suis là dans une heure. Signé Blaise Options, la pièce unique.